va impeccable. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce travail, François? Au premier virage, tu vas tout perdre. Tu rigoles, c'est nickel, j'ai fait ça dans les règles de l'art. Bon, alors on va te reprendre à zéro. Hein. Premièrement, il est indispensable de bien sangler ton chargement pour éviter de perdre des objets en route. Ça pourrait être très dangereux pour les véhicules qui suivent. Ensuite, je te conseille de bien équilibrer les charges dans la remorque, sinon ça pourrait déstabiliser ton véhicule. Tu comprends? Pas vrai, Jamy? Ou? Absolument. Quand le poids est concentré à l'arrière de la remorque, par exemple, eh bien l'arrière de la voiture a tendance à se surélever. Résultat, la voiture tient moins bien la route, ce qui est dangereux en cas de freinage d'urgence et dans les virages. En plus, avec la vitesse, la remorque va avoir tendance à chasser à l'arrière de la voiture. Du coup, en cas de dépassement un peu rapide, eh bien elle peut carrément se renverser.